Hey, what's up le troupeau, ça se Rayman, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pas spéciale, une vidéo je pense que je suis l'unique, vraiment l'un des premiers youtubeurs FR à faire cette vidéo. Et c'est aujourd'hui, c'est une vidéo sur la présentation des 4 iPhone 12 annoncés hier lors de la petite keynote, conférence, bref. Et avec plus quelques petites nouveautés qui font assez plaisir, on va voir ça de suite. Hier, c'était une journée vraiment ouf. On en a vu de toutes les couleurs. Petit jeu de mots, du coup. On a eu l'annoncement d'un iPhone 12 mini qui, pour ma part, va faire très très mal sur le marché. Et l'arrivée d'un nouveau HomePod mini pour faire la pour concurrencer les Amazon Echo, les Google Home, Google Nest Audio, etc., etc. Avant que tout ça commence, je vous invite tout simplement à aller vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc si toi, ton compte en banque est à zéro et que tu aimerais te procurer le dernier iPhone qui va sortir dans quelques mois, tu t'abonnes et logiquement, tu auras 1 200 € sur ton compte. Non, vraiment, arrêtons de plaisanter. Aujourd'hui, si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour que je vous présente les nouveaux iPhones. Donc, moi, j'étais devant mon ordinateur sur le live en train vraiment d'être excité à l'arrivée de ces nouveaux iPhones. On a eu l'arrivée d'un iPhone 12 mini, de l'iPhone 12 qui va tout simplement remplacer l'iPhone 11 comme l'iPhone 11 a fait avec l'iPhone XR. L'iPhone 12 Pro qui va logiquement remplacer l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro Max qui va tout simplement et également remplacer l'iPhone 11 Pro Max. Fini les bords courbés, on va revenir sur un petit peu de classique, revenir à l'époque de l'iPhone 5S. Donc là j'ai même un iPhone 4, donc ouais je le mets sur le côté, il est un peu poussiéreux, hein, mais voilà. Donc retour de ces bords comme ça pour les iPhone du coup 12 Pro et 12 Pro Max, vraiment pour la gamme Pro, un dos en verre avec sur les bordures un acier inoxydable comme on a récemment pu voir sur les derniers iPhone de la gamme Pro, mais plus comme ça, voilà, petit carré comme l'iPhone 5S, et ça se rapproche un peu de ce que peut nous présenter les iPad Pro 2020. Alors l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 seront déclinés en plusieurs couleurs, noir, blanc, vert, bleu et rouge. Et pour la gamme Pro, les trois couleurs classiques, gris sidéral qui est renommé en graphite, donc noir, en argent, en gold qui est vraiment incroyable, vraiment hyper hyper beau. Et une nouvelle couleur qui fait son apparition et qui remplace tout simplement le vert nuit de l'iPhone 11 Pro qui est le bleu pacifique. Et moi franchement qui est fan du bleu, comment je pourrais vous montrer encore d'autres bleus? Bah je pense que ma chambre parle d'elle-même. Mais voilà, l'Apple Watch Series 6 en bleu plus l'iPhone 12 en bleu plus l'iPad Air en bleu. Franchement j'aurais dû acheter vraiment les appareils Apple l'année d'après. Mais bon, c'est pas grave, on se plaint pas. Vous allez me dire, qu'est-ce qui change l'iPhone 12 de l'iPhone 11? Et bah c'est très simple. On peut tout simplement prendre en photo en mode nuit du coup avec l'ultra grand angle. On aura un plus grand champ de vision sur l'ultra grand angle par rapport à l'iPhone 11 Pro. Tous les téléphones, que ce soit la gamme 12 ou la gamme Pro, seront équipés d'un écran OLED. Tandis que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro étaient un peu séparés. L'iPhone 11 avait un écran LCD. Et l'iPhone 11 Pro et Pro Max, du coup, avaient un écran OLED. Ça ne voulait pas autant dire que le LCD est un mauvais écran, juste que voilà, l'OLED est beaucoup mieux. Les bordures sont plus fines sur la gamme 12 et la gamme Pro. Tous les appareils sont équipés de l'A14 Bionic, qui est vraiment l'un des premiers processeurs en 5 nanomètres. Donc, je peux vous dire que ça va barder et que tous les téléphones sont équipés 5G. Après moi, il y a bien évidemment un truc qui me chagrine un peu, c'est que j'aurais bien aimé voir sur la gamme Pro l'écran 120 Hz, parce que voilà, sur la concurrence 90, 120 Hz, le Xiaomi Mi 10T Pro a du 144 Hz. À un moment, j'ai envie de te dire, voilà. Puis après,
C'est lié tout ça vraiment à l'autonomie, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas incorporé directement cette année et qu'on devrait potentiellement le voir, j'ai bien dit potentiellement le voir sur l'iPhone 13, voire aller vraiment grand max l'iPhone 14, parce que sinon c'est réellement du foutage de gueule. Mais pour moi franchement mon petit coup de cœur, c'est comme tout le monde pour la plupart à mon avis, c'est l'iPhone 12 mini. Je trouve vraiment, si je trouve, il devrait faire cette taille là. À mon avis, il devrait faire cette taille-là. Voilà, il doit faire cette taille-là à peu près. Il doit s'arrêter à là. Donc, il est vraiment très, très petit. Et moi, ce que je kiffe dans les téléphones comme ça, c'est que rapport qualité-prix, ils sont vraiment excellents. Après, voilà, c'est un truc qui est un petit peu dommage. C'est qu'il n'est pas à 600 ni à 700 euros. Il commence prix de départ avec le prix de l'iPhone 11 de l'année dernière, qui est de 809 euros. Et l'iPhone 12 commence à 909 euros et la gamme pro, bah, ils ont pas changé par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment mon petit coup de cœur. J'apprécie vraiment son petit form factor. Directement en fait, on n'aura plus cet inconvénient sur les grands écrans d'être là, de ramener son pouce, vraiment de coller son pouce à l'autre bout de l'écran. Non, là c'est directement à une main, tac 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 tac. Et pour les personnes qui aiment vraiment les téléphones compacts, je trouve que Apple vraiment vous ont fait un cadeau et jetez-vous directement sur ce produit-là parce que rapport qualité-prix, il va manger tout le monde. On va faire un petit récapitulatif des prix. L'iPhone 12 mini commence au départ 64 Go, ce qui est dommage d'ailleurs, à 809 euros. J'ai un peu bégayé. 809 euros, pardon. L'iPhone 12, pareil, prix de départ 64 Go à 909 euros. Et enfin, le Saint Graal, l'iPhone 12 Pro va commencer quant à lui à 128 Go pour la maudite somme de 1159 euros. Et l'iPhone 12 Pro Max, pareil, prix de départ à 128 Go, sera lancé à 1259 euros. Je vous laisse un peu imaginer le prix de 512 Go sur l'iPhone 12 Pro Max. On peut monter à 1609, voire à 1659 euros environ si on rajoute tout ce qui est iCloud, etc., etc. Autant vous dire que ça va faire très cher. Les précommandes sont un peu bizarres, enfin, elles sont un peu décalées. Donc, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, on pourra le précommander le 16 octobre prochain. Prochain. Pour une arrivée le 23 octobre. Et l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max, c'est une précommande le 6 novembre pour une arrivée, je crois, le 16 ou dans ces eaux-là environ. Ensuite, fini avec les iPhones, on va passer sur le HomePod mini qui est pour moi une petite révélation lors de cette conférence. Moi qui n'ai pas de HomePod chez moi, franchement pour moi qui ai des personnes qui sont équipées d'un HomePod, je me suis dit au début, bon voilà, Siri qui est vraiment à la ramasse par rapport à Google et Amazon Echo, du coup je vois clairement la différence sur une enceinte qui est équipée de Amazon Echo. On voit clairement la différence et Siri est vachement à la ramasse. C'est pour ça que ça m'a freiné un peu sur le HomePod de base. Mais là, dès que j'ai vu le prix du HomePod mini pour seulement 99 €, je me suis dit mais c'est vachement cool, c'est discret, c'est assez beau, c'est allé un peu, ça ressemble à un petit pot de fleurs, c'est assez rond, assez mignon, ça se pose très bien dans un bureau, ça se cale bien, tranquille, ça ne fait pas de bruit. Et Siri sera nettement amélioré, on pourra lui demander quelques petits trucs. Le truc qui est bien aussi, c'est que si on est équipé de plusieurs HomePod, pardon, si par exemple on a un HomePod dans la chambre, un HomePod dans la cuisine, un HomePod dans la salle de bain, on pourra tout simplement dire à Siri d'émettre un message sur tous les HomePod pour que tout le monde puisse entendre ce message. Pas la peine de crier haut et fort, ouais, à table, hein, on connaît les darons qui sont derrière cet écran. Mais voilà, c'est des petits trucs bêtes, mais vraiment, ça emmène une expérience utilisateur assez bonne. De même, pour nous jeunes qui sont équipés de AirPods, le HomePod pourra directement détecter les AirPods aux alentours et envoyer directement un message directement sur les AirPods pour que l'on puisse entendre. Donc, vous pouvez directement mettre le son à fond sans vous soucier de quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, le HomePod mini, ça me tente un petit peu. J'attends de voir quand même. Et une nouveauté aussi qui est fort incroyable, c'est le MagSafe. Donc, une petite référence à un ancien chargeur sur MacBook. Moi, j'ai pu goûter à ce MagSafe sur MacBook. Genre, c'était vraiment un chargeur aimanté
qui nous permettait en fait de ne pas se prendre le câble dans les jambes. Si on se prend le câble dans les jambes, on le sait, hein, ça ramène tout avec nous. Alors que là, avec ce chargeur, si on se prend le câble dans les jambes, bah c'est le câble qui part, puisqu'il est aimanté à l'ordinateur et non l'ordinateur qui vient avec nous. Donc là, c'est le même système. Un système qui était un peu... Voilà, c'est un peu mélangé avec le AirPower. Le AirPower qui était une charge sans fil où on pouvait placer notre téléphone peu importe sur la surface et ça allait charger. Mais bon, c'est tombé un peu à l'eau. Donc ils ont repris un peu ce concept-là et le concept du MagSafe. Ils l'ont mélangé et l'ont incorporé sur les iPhone 12. Donc on pourra équiper des coques directement, on va mettre la coque, ça va s'aimanter directement, ça va rentrer directement sans de difficulté. Et on pourra y ajouter plein d'accessoires comme on a parlé des surfaces sans fil, des recharges sans fil. On pourra mettre des chargeurs qui seront directement aimantés sur le dos du téléphone. Pas la peine de dire « Ah, j'ai calé mon téléphone trop à gauche et c'est pas chargé, en plus j'ai laissé toute la nuit, il est qu'à 10%. » Ça, c'est fini, vous allez placer, aimanter, charger. Et après, voilà, je vous épargne un peu tous les autres accessoires qu'il pourrait avoir. Il y a aussi un range-carte derrière. Et puis, voilà, pas grand-chose si ce n'est ça. Donc voilà, là, c'est vraiment une petite vidéo sur les nouveautés d'Apple. Bon, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et dans les mois à suivre, puisqu'une troisième conférence va encore arriver sur les nouveaux MacBook, peut-être sur les AirPods Studio, qui est le casque d'Apple, et potentiellement l'AirTag qui est une sorte de j'ai perdu mon objet, je le retrouve grâce au AirTag. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez réellement apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un plus gros pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai dit, si vous voulez le prochain iPhone, vous cliquez et là vous vérifiez votre compte en banque, 1200 euros, certec. Donc le troupeau, c'est Asrayman, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tenez-vous bien. Attention, portez vos masques quand vous sortez. Et... Non, non. Peace.